Tyson KFC s'impose aujourd'hui comme un réseau majeur de la restauration à service rapide, avec deux grandes particularités. L'une, que son offre est autour du poulet, et un poulet non reconstitué, cuisiné sur place en restaurant. Et finalement, donc, au travers de ce produit, se différencie du tout burger. On voit aujourd'hui dans toutes les grandes rues, tous les réseaux font des produits autour du burger. C'est un très bon produit. KFC vient se différencier autour d'un produit que l'on va pouvoir partager, le bucket, le saut de poulet, entre amis, en famille, et puis toute une gamme de sandwichs à base de poulet. Alors le réseau KFC, c'est aujourd'hui 175 restaurants partout en France, donc on est vraiment présent dans toutes les régions, ce qui nous a permis de démarrer une présence forte en télé depuis 2010, donc aujourd'hui on est très présent dans les médias, de créer des partenariats forts, notamment avec la Fédération Française de Football depuis cette année et les Restos du Cœur. Sur ce réseau de 175 restaurants, 109 restaurants aujourd'hui sont exploités par des partenaires franchisés. Donc vous voyez qu'on est déjà majoritairement un réseau de franchise. Alors, sur l'année 2015, on va rester sur la tendance des années passées, c'est-à-dire qu'on vise à ouvrir une vingtaine de restaurants sur l'année. Sur les années à venir, notre vision est d'accélérer le développement en élargissant finalement les cibles d'implantation du réseau. C'est-à-dire que le réseau est aujourd'hui essentiellement en périphérie de ville, sur des zones commerciales notamment, restaurants drive, bâtiments solo. On va continuer à se développer sur ce format-là, mais on va aussi chercher à intégrer des centres-villes, des zones commerciales, des aéroports, des aires d'autoroute, etc. Donc sur des formats atypiques, des plus petits formats de restaurants. Alors l'actualité du réseau, c'est que finalement KFC est en train de passer un cap et de faire évoluer son modèle de franchise. En tout cas, on est en train d'y travailler, puisque le développement s'est fait depuis une dizaine d'années en franchise avec un développement fort de nos partenaires existants sur un format de location-gérance, quasi exclusivement. KFC aujourd'hui entrevoit des projets ou peut entrevoir des projets avec des partenaires qui auront la capacité et l'envie d'investir plus et donc d'être intégralement propriétaires de leur restaurant, donc on appelle ça la franchise totale, ce qui forcément mobilise plus de capital, une prise de risque qui peut être perçue comme plus importante, mais du coup une rentabilité qui est moins partagée entre le franchiseur et le franchisé. Ces deux modèles qui vont coexister dans notre système parce que finalement ils ont tous les deux leur légitimité et leur cible. Alors, les points forts de KFC, sans nul doute, c'est d'abord son concept, son positionnement et puis son ambition de développement. Je vous disais aujourd'hui 175 restaurants, notre vision à 2025 c'est 500 restaurants, donc on va quasiment tripler la taille du réseau et c'est une étape, on espère que l'histoire nous portera encore plus loin, mais en tout cas notre ambition est très forte et ce développement va se faire avec probablement plus de 80% des restaurants à terme qui seront opérés en franchise. Donc c'est une continuité dans le développement et dans des opportunités de développement, de croissance pour nos futurs entrepreneurs, pour nos franchisés.